Yo 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 la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Beauf Player et qui dit une nouvelle vidéo dit une nouvelle mission, une nouvelle planète à découvrir. Et comme vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui nous allons découvrir la planète Plectel Innocence. Nous allons partir pour le récit d'Amicia Hugo dans un monde ravagé par la peste, par une horde de rats et l'Inquisition. C'est parti les amis, suivez-moi pour le récit d'une longue histoire épique. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. C'est bon, ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Et massacré, sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. Thank you.
Aide-moi à pousser. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est très, très lourd. Je ne parle pas. Pousse. Pardon. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Y a quelqu'un? Allons voir. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi? L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au
Château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les occuper. Oh, les jambons. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Désolé. Bah, c'est pas grave. Voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. C'est ça qui ont l'air très lourd. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Oh non. Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'Ignifère. Oh, comment on va faire? On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. Petit cochon. C'est bon. Mange bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Passe devant. Les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais? Les rats. C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo.
On n'avait pas le choix. Je passe devant. Pas de problème. Venez, par ici. Le pauvre. Attention où vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que je... Leviter extractam sic. Tu fais quoi? C'est du latin. Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. C'est... juste de l'alchimie. C'est Lucas, fou. Pourquoi mon mal, c'est pas le même ça que doit être Laurentius? Ça qu'ils appellent un athanor. Il a été mordu par un rat, pas toi. Et... est-ce qu'il va mourir? Il... je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Démon. On dirait qu'ils ont passé pas mal de temps ici. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Lara ! Oh non ! Non ! Les pensées ! Non. Vinifère, Amicia, c'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Les braises, Amicia! Oh, oh, ça fait du feu! C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Reculez! Minifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Allez, monte. Il y en a beaucoup. Laurentius! Je vais dégager un chemin. Suivez-moi. D'accord.
Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non! Amicia, les rats! Plus de lumière dans la maison. Oh non! Je dois partir, maintenant! Maître. Hé, arrête, on a besoin de toi. Regardez, le cheval! C'est le moment. Hugo, Lucas! Courez, on a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas, je suis là! Il va où ce chemin? Lucas? Oui? C'est quoi cette chose dans son sang? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses, le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi.
Allez, Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés à regarder cet épisode comme moi je me suis régalé à le faire. En tout cas, on se donne rapidement rendez-vous pour de nouveaux épisodes sur la chaîne Beauf Player. Et n'oubliez pas les amis, 2 épisodes toutes les semaines. D'ici là, gardez la forme et surtout, on se tient au jus de pomme. Peace la famille.